be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule. The river of life was flowing from the feet of Jesus. And I looked at the river of life coming from Jesus, and it was flowing throughout all of heaven and giving life to everything in heaven. Near-death experiences, exploring heavens and the afterlife. Part 2 of 4. Please continue watching to find out more. The minute I announced I'd gone vegan, I got a loud and enthusiastic welcome from the vegan community. It gave me incredible access to people and organizations who were extremely generous and forthcoming in sharing their experience and resources. That's one of the best things about going vegan, the supportive spirit. Ivana Lynch, vegan. Today's episode will be presented in English and French with subtitles in Arabic, Olasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Iranian. Maraba, c'est bonjour en arabe, une des langues officielles du Tchad. Je suis Abakar. L'aimable peuple tchadien applaudit vos efforts persistants pour sauvegarder nos frères et sœurs animaux en promouvant le régime végétalien compatissant. Puisse le soutien aimant de la Providence toujours être avec vous. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série de 4 épisodes intitulée « Expérience de mort imminente. Explorer les cieux et la vie après la mort ». Depuis des siècles, les humains éprouvent une curiosité mystique à l'égard de la vie après la mort. Nous nous posons beaucoup de questions et nous nous demandons toujours ce qui nous attend lorsque nous quittons ce corps physique et entamons notre voyage au-delà de la mort. Aujourd'hui, nous avons l'incroyable privilège d'entendre des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou EMI. Ces personnes ont visité l'autre côté et sont ici pour partager avec nous leurs expériences qui ont changé leur vie. Selon l'Institut américain de la santé, près de 9 millions de citoyens américains, religieux ou non, ont vécu une expérience de mort imminente et ont été amenés à rencontrer le divin. Dans cette série, nous allons explorer leur EMI et entendre leur expérience personnelle de rencontre avec Dieu et de voyage dans l'au-delà. Aujourd'hui, notre aventure commence avec Randy Kay, l'auteur de « Mourir pour rencontrer Jésus ». De par sa profession, M. Kay était un scientifique. Il dirigeait une équipe clinique en neurologie et en chirurgie cardiovasculaire. Et il ne croyait pas aux expériences de mort imminente ou EMI. Cependant, le destin en a décidé autrement. Un jour, alors qu'il éprouvait de l'angoisse et de la frustration, M. Kay a invoqué Dieu et a demandé à voir Dieu.
quelques jours plus tard, après avoir ressenti une douleur intense au mollet, il s'est rendu chez son médecin qui a découvert qu'il avait 6 caillots de sang. Il a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital, où son sang a commencé à coaguler, entraînant un arrêt cardiaque de 30 minutes. Lors d'une EMI, Randy a crié le nom de Jésus-Christ et a senti qu'un bras s'enroulait autour de sa taille, et il savait que c'était celui de Jésus. À ce moment-là, Randy a ressenti l'amour de Dieu. Il a réalisé qu'il était au paradis avec Jésus et les anges et a vécu une expérience d'omniscience. Randy décrit son expérience plus en détail. The river of life was flowing from the feet of Jesus. And I looked at the river of life coming from Jesus, and it was flowing throughout all of heaven and giving life to everything in heaven. And I could see the hills, beaming hills, and I could see everything with a vibrancy in colors and fragrances 100 times, 1,000 times greater than I had ever experienced in this life. And it was all coming from Jesus, and the light from Jesus was shining against, just illuminating and bringing a brilliancy to all of heaven. Randy a compris que tout le ciel est pure joie, que tout a été créé pour servir Dieu et que la vibration de Dieu dirige toute la création. Aujourd'hui, Randy est à la tête de son propre ministère virtuel qui répand l'amour de Dieu. I so long, and even to this day, to be with my Lord. I love him so much, and I know as much as I love him, he loves me exponentially more. Comme c'est magnifique d'entendre parler de l'amour infini de Dieu. Vegan, because even if our little finger is cut, it hurts. Joyeux téléspectateurs, faisons une petite pause pour remercier les papillons qui visitent nos jardins avec leurs couleurs ravissantes, tout en pollinisant nos fleurs, nos légumes et nos fruits. Veuillez rester avec nous pour entendre d'autres expériences incroyables de mort imminente. Nous revenons dans un instant. Ravi de vous retrouver dans notre émission où nous découvrons l'amour de Dieu à travers des expériences de mort imminente. Vous vous demandez si tout le monde va uniquement au paradis lorsqu'il fait une EMI. Jarrod Mooney était athée au moment où il a subi une crise cardiaque et a vécu une EMI au cours de laquelle il a été amené en enfer et a fait l'expérience d'une combustion physique dans le lac de feu. Il se souvient. It was like my toes were right in that fire, right at the edge of that fire, and that began to travel into my feet. I couldn't even feel my feet because of the heat on my feet. I flopped back down to the chair, and it began to travel all the way up to my knees, and I knew that I was going to hell. Jarrod a aussi vu de nombreuses personnes dans le lac de feu. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait à ce sujet, il a répondu qu'il savait que c'était parce qu'il n'avait pas reçu Dieu. Il a ressenti l'atroce agonie de cet enfer de peur. D'une certaine manière, Jarrod a été touché par la grâce de Dieu en ce sens que quelque chose l'a retenu, en l'empêchant d'aller complètement en enfer. I began to notice up around the top of the cavernous area a cross. And this cross has a light purplish glow to it. As it's floating there, I heard a voice. There was an authority to this voice, but it was not hateful in any way. And the voice was Jesus Christ. And he spoke. And he said these simple but profound words, I died for you. L'EMI de Jarrod était unique.
car il est entré et sorti de son corps à deux reprises. La seconde fois, il a fait l'expérience d'une belle prairie pleine de fleurs où il a pu rencontrer Jésus. Dans la prairie, Jésus s'est rapproché de lui en portant le livre de la vie. Lorsque Jarod a vu ce livre, il a su que son nom n'y était pas écrit, ce qui signifie que son heure n'était pas encore arrivée. Après cette expérience, Jarod s'est repenti intensément et a commencé à construire une relation avec Dieu et Jésus en allant à l'église et en lisant la Bible. Notre bien-aimé Maître suprême Shinhai, Vegan, nous rappelle qu'il n'existe qu'un seul et unique moyen d'éviter l'enfer et de s'élever jusqu'aux cieux les plus élevés. I just hope everybody listens to heaven's mandate. Just turn vegan and make peace, that's all. Yes. To turn vegan is also like making peace. Making peace for yourself, for your conscience, and making peace for the animals, people. And stopping war. That is also making peace. Yes. Both are making peace. But for the sake of language clarity, we say be vegan, make peace, as if it's two separate things. But actually, they're only one thing. Making peace. Without making peace with God, we have nothing to cling to. We have nothing to protect ourselves. So we just have to go down to hell. Where hell will be able or not to clean out all the trace of any sin, any unpeaceful action against God. Yes. So that's what will happen to the souls who don't turn around and repent and make peace with God by not creating war, by not killing or eating animal people. Notre aimante Maître suprême Shinhai a aussi partagé avec nous que le message reçu par les personnes qui ont une expérience de mort imminente est toujours le même. Many near-death experienced people, they know that they have to come back and be selfless and be of service to humankind. That's always the same message. There is a man in America. He was a very bad boy. Since his childhood, he was a very bad boy. He just hit anybody or punch anybody that happened to make him, angry or not to his liking. And he just hit them. And he was a kind of very violent person. Until one day, he got struck by the lightning from heaven. Then he was dead for a while, kind of, declared dead by doctors, near-death experience. And then between that, he went to heaven, yeah? He went to a place and then all the beings show him the kind of life that he has led up to now. You know, violent, unfair, suppressing people and things like that. And then afterwards, they told him, if you continue like this, all the disasters will be upon you. And then they also show him a lot of disasters going on in the world from that time up to present time. Most of the things that were shown to him has already happened. They told him that if you continue your life like you have done, all these disasters will be upon you. So of course he made it good and he tried to change his way of life. Then afterward, because of the promise to change his way of life, God has given him a lot of abilities, including the ability to read other people's mind and to know their sickness. And to know what they have done in that day. So whenever a person comes to him, just comes to him and just holds their hands, and you know what happened to that person that day. Exactly everything. Recevez notre plus profonde gratitude, Maître la plus compatissante, car vous nous aidez à mieux comprendre ce que nous pouvons apprendre des personnes qui sont allées au paradis et en enfer, et qui sont revenues partager leurs profondes expériences avec nous. Vegan, the best lifelong medication. Téléspectateurs expressifs, c'est un plaisir d'être en votre compagnie dans l'émission d'aujourd'hui. Expérience de mort imminente. Explorer les cieux et la vie après la mort. Partie 2 sur 4.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er mars pour la troisième partie de cette série. À suivre, Begin the New Year with Positive Thinking, part 12 of 12. Dans Entre Maître et Disciples, juste après les nouvelles déception. Puissent vos cœurs s'ouvrir à la connaissance que Dieu aime tous les êtres et qu'il veut que nous vivions une vie de compassion dans sa grâce infinie. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not rich. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ss.